Wouhou, Jackie Tuning! Oh oui, Jackie dans la place! Yeah! Allez, bonjour tout le monde, c'est Clément 1325, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 10e partie du playthrough sur GTA V. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va s'occuper normalement du braquage. Enfin, du braquage. De tout ce qui est fin de la préparation du braquage en pleine mer et du coup du braquage en lui-même. Je vais juste lancer le timer, je vais y penser ce coup-ci parce que la dernière fois la vidéo a duré un tout petit peu plus longtemps que prévu. Voilà, et c'est parti mon kiki. Donc, déjà on va aller poser ça au garage vu le pognon que j'ai claqué dedans. Je sais même pas si c'est légal de claquer autant de pognon dans une bagnole. C'est con qu'on doive l'amener au garage par contre. Parce que du coup, plus on dépense du pognon dans une bagnole, plus on a peur de l'abîmer. Donc ça fait un peu chier d'un côté. Hop. Et j'ai mis absolument tous les accessoires qu'on pouvait mettre dessus. Même la fumée des pneus qui est bleue. C'est pas la classe ça. Les phares au xénon qui éclairent mieux. Hop. Et tout le bordel. J'ai changé le capot, j'ai mis des bas de caisse. Et plein d'autres conneries qui servent complètement à rien. Mais que j'ai fait quand même. Mais on en a déjà une comme ça ici. Et ben on va prendre celle-là. Vu que l'autre elle est améliorée. Et donc du coup on va commencer par faire la mission avec Franklin et Trevor. Parce que je sais que ce F ici est affiché en vert et en orange. Donc ça veut dire que Trevor aussi peut y participer. Et donc on va commencer par ça. Et donc ça sert à rien de prendre une bagnole. Hein. Hop, on va la mettre dans le garage. Comme ça au moins je sais qu'elle est en sécurité. Et que je la retrouverai la prochaine fois. Celle-là. Hop, comment qu'on se casse la porte? C'est ça. Voilà. Et du coup on va switcher et on va prendre celui qui est le plus proche du F. On va essayer Franklin. Allez, c'est parti. Mais autant, c'est Trevor. Hein. J'en sais rien du tout. On verra bien au pire. Ça nous coûte rien de prendre Franklin et d'aller jusqu'au F. Allez, plus vite. Encore en train de boire un café. Hop. Putain, il en boit 15 par jour. Chaque fois que je switch sur lui, il est en train de boire son café ici. Bon, il va nous falloir une bagnole. Est-ce que je me suis garé avec une bagnole ou une moto? Non. Donc, celle-là me paraît plutôt pas mal. Hop, voilà, on crochette un petit peu. Enfin, plutôt pas mal. Ce qu'il y a dans le quartier, c'est le top. Ah bah ça va, c'est la rue juste à côté. On va voir ce que ça donne. On va être dans l'ancienne maison de Franklin. Hop, c'est ici donc. Et normalement, il y a aussi Trevor qui participe à la mission. Your mama will turn over in a grave, boy. Mm-hmm. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Wow, Franklin, you never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass sister. Shut the fuck up! Yeah, shut the fuck up! Here, darling, why don't you go get yourself something nice, okay? Thank you! Is it $7? I said something nice, not expensive. You want to be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, all right? You men are all the same. Man, what the fuck you doing here? Here with the boys. What?
I'm fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dawg. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? I'm talking about the little stretch thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Génial. On va aller faire les gangsters et en plus on doit se trimballer Trevor. Franklin doit être vachement content. Oh putain, on va aller à Grove Street. Avec un peu de chance, la mission ça va être de massacrer du ballast. Et là Trevor, il va être dans son élément. Lamar, what's happening? What you in stress set up? We buying weight, homie. Something that'll move us up the food chain, nigga, for real. Nothing's real in this town, nigga. Particularly where you in stress concerned. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Boom! First rule of business. Hey, since we're out here banging, either you got some dust? Fool wanna get butt naked? I'll get whatever it takes me, homeboy. Homie's crazy, man. So I've heard. Allez, c'est parti. On est en plein territoire ballast. C'est pas forcément une bonne idée. Je sens que ça va partir en coup. C'est obligé. De toute façon, quand il y a la mare, ça se termine toujours mal. Hop. Comme c'est con, ils savent pas fermer les portes, il faut que je le fasse moi-même. Allez, bouge-toi un peu le steak. Cours! Allez, feignasse, pourquoi tu veux pas courir? Courier service. Package to collect. You got the grip? Present and accounted for. You like that, huh? Sample? Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now, you heard what your boy said. You're leaving. Hey, give me the back! Whoa. What the fuck? Did we ask for a key? Or a fucking ounce! Man, that's motherfucking drywall! Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here! You can't fucking hustle a hustler! J'ai bien dit que ça allait être la merde. Et forcément, on a essayé de... Enfin, les ballasts ont essayé de nous entuber. Donc, évidemment, ça devient le bordel. Vas-y, chop! Fais ton boulot! Échappez-vous de Grove Street avec Lamar et Trevor. Hop! Ah, il bosse bien le chien. Hop. Allez, là-bas. Hop. Et de 1, et de 2. Merde, j'ai pas eu de deux. Putain, c'est les Saints. Ils ont les voitures violettes. Hop. Allez, allez crever, putain. Oh, oh, oh. On va changer d'arme, on va prendre le AK. Hop. 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 Oh, toi, tu vas crever aussi. Est-ce qu'on peut switcher sur Trevor, évidemment? Et qu'est-ce qu'il fout avec un fusil à pompe, ce con, aussi? Allez, hop. Bim. Hop. On va passer en mode carnage. Tranquille ou pépère. Hop. Là. On va les défoncer vite fait, eux. Voilà, ça c'est fait. Hop, on repasse en mode carnage pour faire encore plus de bordel. Allez, hop. Il y en a un derrière la poubelle, bute-le, putain. Merde, j'ai plus de mode carnage. Hop, il faut que je fasse gaffe à ma vie. Ouais. Et d'ailleurs, en faisant gaffe à ma vie, on va aller se planquer, putain, sa mère. Juste attends. On va switcher. Hop, on a une vie qui est pas mal ici.
Hop, quelqu'un. Et bah vous savez quoi? Rien à foutre. Il est où le point? Le point de visée, il est où? Ah. Bon, bah, tant pis. Oh non! Elle avait explosé avant. On l'a bien vu en plus. C'est du foutage de gueule là, c'est pas possible. Putain. Ça me fait chier, je crève tous les 2 mètres et demi. Tiens, toi, prends tes balles. Attends. Voilà, là on va pouvoir commencer à jouer avec ça. Voilà, tout simplement. Hop, on repasse sur la K-47. Voilà, nickel. On passe tranquille. Hop. Et en plus, comme on vise plutôt pas mal, ça devrait faire monter sa compétence de tir. Si elle est déjà pas vachement élevée. Hop, et de une. Et de deux. Ça marche comme des grenades. Suffit de savoir à quel moment les faire péter. Hop. Toi tu crèves. Et toi tu crèves. Motherfucker. Allez. Je vais pas tarder à switch sur Trevor, je pense. J'ai plus beaucoup de vie. Hop. Ouais, on va switch. Hop. AK-47. Tiens, toi tu crèves, toi tu crèves. Toi tu... Pourquoi il a mis dans le vide? Hop, tu crèves toi aussi. Bouffon. Tiens, tiens. Vous avez tous droit à votre dose. Hop. Là, il y en a un en haut. Allez. Crève. Crève. Là, on va envoyer ça et on va faire... Boum! Ouais, du coup, j'ai vu que les voitures, elles explosent deux fois, en fait. Hop, on va passer en mode Fury. Qui nous fait gagner en discrétion, je ne sais point. Pourquoi? Pour le what the fuck le plus total. Dans son mode de carnage, il disparaît vite. Hein. Hop, voilà, il n'y a plus de gangsta. Il ne reste que des flics. On va switcher. Il a pas mal regagné sa vie. Allez, on se casse. On a 3 étoiles. Ça va être chaud patate. Qui veut qu'on aille où, ce con? Oh putain, des jet skis. Hop. Allez, cassez-vous, putain. Allez. On se casse. Trop tard, je l'ai tué. Putain, ils sont encore là ces bâtards. Oh merde. Allez, allez, retouche l'eau bordel. Sans déconner. On va switcher. C'est bon. Franklin nous a rattrapés. Bon, apparemment ils sont en train de s'engueuler encore une fois. Et Franklin accuse le pote de la mare de nous avoir encore trahi. Allez, on se sépare. Oh, Trevor, il est en train de me semer sa maman. Et évidemment, il a pris la même route que moi, ce con. Ce qui fait que si je switch, eh ben, je suis baisé. Et évidemment, l'hélico, il choisit de me suivre moi. Ah non, peut-être pas. On peut peut-être réussir à s'en sortir. Ouais, c'est bon, l'hélico m'a lâché. Il faut juste accélérer un peu. Et on devrait s'en sortir. On va essayer les petits tricks entre les rochers. En espérant pas trop faire de conneries. Putain, il y a encore un hélico. Hop, nickel.
là, on va prendre la boss. Et bah c'était pas une boss. Enfin, on pouvait pas. Hop. Allez, recule. On va aller jusqu'aux motos là-bas. Oh merde, l'hélico fait demi-tour. Faut que je me dépêche. Si je veux pas finir dans le champ de vision. C'est bon. Easy peasy. Hop. Tranquille pépère. Hop, et on va écraser deux connards. Allez, bim. Comment il lui a laté les couilles? Pourquoi tu le tapes? Mais t'es con toi, tiens, bouffe ça. Qu'est-ce qu'il y a toi? Descends du quad. Bouffonne. Tape. Tiens, fais dodo. Et voilà. C'est une affaire rondement menée. Non, pas le jet ski, bouffon. Du coup, on va prendre Trevor. Merde, on peut pas encore. Je voulais prendre Trevor pour faire l'émission. Blablabla, blablabla, aux courses de Sea Shark. Ah oui, les courses de jet ski du coup. Donc dès qu'on pourra, on prendra Trevor pour pouvoir faire des... Ah ouais, je suis déjà recherché, c'est pour ça que je peux pas switch. À force d'avoir tabassé trois bouffons sur la plage. Enfin deux, techniquement. Le troisième, c'est pris un coup de jet ski. Et je n'y suis pour rien dans cette affaire. Donc, dès qu'on pourra, on switchera sur Trevor pour faire l'émission de préparation pour le braquage en pleine mer. Allez, hop, il passe par-dessus la barrière. Allez, mec, tu perds ton sang, cours. Cours, 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 cours. Allez. Allez, bouge-toi le steak. Hop. Allez, il se bouffe ça dans la gueule. Oh, merde, il y a les flics qui arrivent. Cache-toi. On reste discret, c'est bon. On va switcher sur Trevor. Évidemment, il a fini là-bas, ce con. Bon, d'un autre côté, c'est pas mal parce que je crois qu'il y a un des deux trucs à récupérer qui est dans le coin. The life of a gangbanger. Hop, il me semble qu'il y a un truc qui est vraiment pas loin, ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est quoi? C'est le submersible. Donc on va aller récupérer un sous-marin, génial. Et il a embarqué la Buccaneer de Trevor. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est soit une moto, soit une voiture. Mais bon. On s'en tape un petit peu. Allez. Hop. Tranquille ou pépère. Dans cette musique, elle me les brise. Hop. Bim. On passe à travers la barrière. On va remettre Rock Radio. Voilà. Et au final, on va laisser la bagnole parce qu'à pied, ça ira plus vite parce que la bagnole, elle passe pas les barrières. Hop. Allez, cours Trevor. On va monter ton endurance. À moins qu'elle soit déjà au max, la tienne. Ça doit être celle de Franklin qui est pas au max. Allez, cours petit, cours. Allez, c'est au bout. Allez, c'est la dernière ligne droite. C'est aussi la première, mais c'est la dernière. Allez, Trevor. Allez, Trevor. Allez. C'est vrai que ça fait un peu loin, quand même. J'aurais pu trouver un moyen plus intelligent de récupérer une bagnole pour pas avoir à me taper tout le trajet à pied. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et de toute façon, on s'en tape. Oh, tiens, on barre une bagnole. Viens par là, mon petit. Donne la voiture. Donne la voiture. Allez, stop. Donne la voiture, j'ai dit. Allez, bim. Tu prends la race. A plus, mon pote. Hop. Et il faut qu'on récupère le sous-marin. Je sais pas trop comment. Je suppose en passant par le bateau. Mais il faut que je récupère le sous-marin. Ah, il y a des ennemis. Parce que sinon c'est pas drôle. On va y aller en mode furtif. Ouais, mode furtif ça passe. Hop, accélère quand même un petit peu. Je suppose qu'en vert ça doit être les clés.
ou libérer le sous-marin. Ouais, c'est vachement discret quand même. Et l'on passe par-dessus la barrière pour s'exploser la gueule sur le sous-marin. Et il faut monter dessus pour pouvoir rentrer. Allez, monte. Et rentre dedans. Et je sais pas où c'est qu'on va aller le garer. Mais on va s'amuser. Hop, passe sous l'eau. Voy, I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. Génial. Floyd, don't go quiet on me, or I'll come around and I'll, well, we both know what I'm talking about. Okay, all right. Putain, c'est le Nawak. Pier 400 at the Western Docks. On my way. Look, I'll have a truck to bring you around the warehouse. What's this? The Union Man? Je regarde par contre où c'est qu'on va. Ouais, si, c'est bon, je suis dans le bon sens. Parce que sinon, ça va être le bordel. Allez. Hop. Do some research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution, and they behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. You don't. Meriwether are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we are going to enjoy shitting on them. Oh, great. I'll look forward to that. Okay, well, that's more like it. Oh bah ça va, en fait, c'est pas difficile à conduire le sous-marin. Enfin, pas trop. Il y a des fois où c'est un peu le bordel. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste plutôt correct. Par contre, on n'y voit pas grand-chose. C'est pour ça que je me suis planté quelques fois. Outre le fait que je ne sois pas forcément très très bon pour conduire cette merde. Je me demande si on peut sortir quand on est sous l'eau. Je pense pas. Parce que sinon, on pourrait plus y re-rentrer. Ou alors ce serait compliqué. Ah merde! Bon, on va revenir à la surface. Si on revient à la surface, on replongera pas, hein, parce que c'est le bordel. Hop. Et donc, il faut aller là où il nous a dit d'aller. Et c'est mal foutu cette map, parce que ils nous ont pas mis la route, pour une fois. Alors que ça aurait pu être bien pratique. Allez. Putain, mais c'est long en plus. Je vois que dalle. Hop, on remonte à la surface. Hop. Bon, on va faire un petit look sur la map. Ok, donc il faut passer ces trucs. Et après, on tourne à droite. C'est marrant, comme Rockstar a fait les fonds marins. Enfin, comme c'était traité dans le trailer et dans les différentes annonces, on pensait qu'il y aurait beaucoup plus de trucs à faire dans les fonds marins. Et en fait... C'est surtout de la balade, hein, c'est surtout pour mettre du paysage. Enfin, pour l'instant. Peut-être qu'après ça se développera plus. Mais je trouve qu'il n'y a quand même pas beaucoup à faire sous l'eau. Je trouve ça un petit peu dommage. Vu comme ils nous l'ont vendu. Après, peut-être que ça se développera, hein, j'en sais rien du tout, j'ai pas fini le jeu. Je suis en train de le découvrir avec vous. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Bon, allez, accélère, il n'y a pas un turbo. Et on voit rien du tout, on dirait qu'on est à 5000 pieds de fond. C'est tout noir. On dirait pas qu'il y a le niveau de l'eau juste au-dessus. Allez, on y est presque. Floyd, you there? Yes sir, I'm on the crane. The surface and I'll bring you shoreside. All right. Thank you.
Bon allez, dépêche-toi, j'ai pas que ça à foutre. Allez. Oh, what are you doing? It's done. Let's go. Let's go. Okay, all right. Hurry up. Ok, il faut que je foute tout ça. All right, I'm here. It's around the corner. L'entrepôt, ça va, c'est pas loin. J'imaginais qu'il allait falloir aller à l'autre bout de la map. Mais en fait, non, pas du tout. Hop, le téléphone, c'est rien. C'est pas grave. Are you being short with me? No, 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 sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. Ce Trevor est décidément bien un bâtard quand même. Merde, c'était à l'intérieur. On recule bien droit pour pas nous faire un truc avec la remorque. Voilà. Putain. Allez, réattelle-toi la remorque. C'est bon. Putain, sa maman, ça va me péter les parties, ça. Voilà. Et maintenant, on va se garer là-bas dessous. Et voilà. Ça, c'est du beau travail. You're sure it'll be okay there? Sure. All right. If you're wrong, I'll eat your sweet meats. Now get out of here. Boom. Mission réussie. Allez. 3, 2. Ah bah non. J'en sais rien du tout. Bon, allez, on se casse. Tu te fous de ma gueule que c'est sa bagnole? Bon, bah je monte avec toi, hein. Tu m'en veux pas? Oh le bâtard! Il m'a lâché sur place. Bon. C'est pas grave. De toute façon, il va falloir que j'appelle un taxi. Déjà, on va désactiver le mode veille. Et on va appeler un taxi pour se rendre le plus vite possible aux prochaines missions. Comme ça, ça nous évitera de traverser toute la map parce qu'elle est loin en plus. Stay where you are. I got a driver right around the corner. Much obliged. Voilà, donc le taxi arrive. On va juste positionner notre point qui va être ici parce que c'est à Chai. Voilà. Et on a juste à attendre que notre taxi arrive. Et comme vous allez le voir, normalement on va piquer un hélico de transport. Yo le cinglé, tu me fais peur, mais t'es cool comme mec. On devrait faire un truc avec ou sans Franklin. T'es partant. Putain, mais il écrit vraiment comme une chèvre, comme un... Ouh. Allez, let's go. Il y a une petite astuce pour pas payer le taxi. C'est bon, évidemment je vais pas vous la montrer parce qu'il faut faire le trajet en entier. Mais c'est juste avant d'arriver, vous descendez du taxi avant qu'il s'arrête. Évidemment, vous allez vous prendre quelques dégâts, mais vous n'allez pas payer. Et d'un autre côté, par contre, vous aurez les flics au cul. Mais vous aurez qu'une étoile. Donc, ça se vaut. Parce que ces enfoirés... Voilà, $100 cet enfoiré. Viens là, enculé. Voilà, là, je peux l'arrêter, le taxi. Et si je lui pète la gueule... Si je lui pète la gueule, avec un peu de chance, je récupère mes $100. Let's go, cupcake. Tiens. Bouffe mon pied. Et voilà, rien du tout. Ça, c'est des putains d'enfoirés de bâtards. Bon, on va essayer d'aller jusqu'à l'hélico. En changeant cette musique de merde. Hop. Par là-bas, à gauche. Pas de bêtises. Il me semble que c'est par là. Hein. Je vais vérifier quand même.
Ah bah non, c'est pas par là. Et pourquoi il m'a lâché ici en plein milieu d'un pont, ce trou du cul? Il m'a lâché par là, on est d'accord. Et ben pourquoi il m'a lâché là, ce connard? Bon, du coup, c'est là-bas. J'aurais peut-être dû laisser le marqueur, c'était un peu con de ma part de l'enlever. Mais bon. Non, j'ai pas appuyé sur le joystick. Who the fuck is this? The guy keeping you out of the gas chamber. Townley's on his way. We need to talk face to face. Warehouse off Dutch London and Banning. Oh, we can do more than talk, my friend. C'est une putain de blague. On vient de me filer une mission. Eh ben ouais, on va switcher sur Michael. Avec un peu de chance, il ira plus vite que Trevor à l'entrepôt. Et comme ça, ça nous évitera de perdre trop de temps. Gotta quit that shit, man. Yeah, I know. I take speed mostly, and look at me. Boom! Best shape of my life. Yeah. Yeah, I could still take you, sugar tits. That's because you're fucking deranged, not because you're in good shape. Hey, why don't you stick to doing fucking crunches and feeling bad about yourself, all right, pork chop? Hey, fuck you. You know, I'm beginning to think that's exactly what you want to do. Said the same fucking thing to my wife. You see his face that last time I popped him. Boom! Oh, ladies! God, you're an asshole. You back there. I know you, but you, I don't know. Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. Oh! It reminds me of one of those guys you see advertising pills for middle-aged men that can't get erections. Hey, Devin Weston is a very good friend of mine, so why don't you watch your tongue? Because let me tell you something, that guy gets more tail than, than a tail catcher. I have to fucking remember that line. You, where did we meet? Nowhere, pal. Yeah, we did. Hey, Bob, what are we doing here, huh? This. Please, keep the sleep bastard away from me. No, Ferdinand, he's gone. He's gone. It's okay, I've got some new friends here now. No, this okay. Is Michael, and this is Trevor. No. Now our friend here, he claims he doesn't know anything. I don't know anything. I don't know, I already told nothing. I don't know anything. Please, sir. You know about the Azerbaijanis? Huh? Azerbaijanis. I do audiovisual, hi-fi audiovisual. It's top man, good price, VIP, you know? You're a fucking spy. And the asswipes at the agency know this. So I need to know. What did you tell them, and what did they tell you? I told them what I tell you. Uh-huh. What? Hey! Whoa, what is this? The house in Rockwood Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh, that's all I know. That's it. I go. You're gonna make him speak. No. You two are gonna drive up to Rockwood Hills. No. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. No. Because I'm tired of these fucking nitwits at the agency taking all the glory. Let me go. Hey, fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy. You know, go for a drive. Wait, no. You get to work, and I'm not here. The guy's your neighbor. Caesar's Place, Rockwood Hills. Allez, let's go à Rockwood Hills pour voir ce que notre petit ami nous a donné comme info. Parce qu'à mon avis, c'est de la bonne bullshit et c'est vraiment un espion. I was you, I wouldn't be so critical of who others associate with. So is he gonna be a problem? For sure. But there's nothing we can do about it. If something happened to him right now, I'd be right under a microscope.
an electron microscope of bureaucratic shit, and that would make it very difficult to keep old secrets. Oh, well, boo-hoo-hoo-hoo for you. You know who else is having trouble keeping secrets, asshole? Me, after you brought Trevor in on this. I only brought him in after you put out your press release. Townley's taking scores again. The Los Santos reboot. If we didn't control the situation and he'd unearthed this connection, then what? Then Trevor flips out, beheads me, kills my family, or raises them as his own. I don't know which is worse. Anyway, any of that could happen at any time. Slow down. Let's think this through. What does he know? He knows I'm alive. He knows I got money. And now he knows I'm working with the FIB. Does he know how long you've been working with the FIB? How long? The fuck does that matter? Either you were working with us before the Cash Depot job, you walked your crew into an ambush, one of them spent 10 years on the run, and the other landed in a federal penitentiary. Or we stumbled on the Cash Depot job, Brad went down, you went down, Trevor got away. The FIB cut you a deal on your sixth and faked your death, and you end up here. Don't! And you end up here. Who's to say which of those is true? That there's any doubt probably accounts for you being alive. Back there, Trevor made you right away, the second he saw you. You remember after the bust, I was in all the papers. I was on the evening news. The man who killed Michael Townley. Yeah, I was quite a trophy. A good head to hang on your wall. Back then, sure. Not now. If the money ran out, this is bullshit. This place, Davey, they've been shooting the real cunts of suburbia here the last few weeks. No way that's your guy. Shit. You are kidding me. I'll call Steve. Wrong house. This guy isn't our guy. Okay. You sure you don't want to silence him just to make sure? We're silencing someone. We're silencing the right someone. Get me another address. Got it. Can I get you anything? Hey, you want a coffee? Some water? Pour trouver la cible, torturer notre copain. We need a new address from Mr. K. Choose your instrument and go to work on it. Where do we start, eh, buddy? Wait! What are you talking about, the wrong guy? No! Who do you want? Just tell me what you want, huh, man? Huh, please, look at me, please. Come on! We haven't broken him yet! Not the wrench! Be gentle! It's so heavy! I hope you're not a scarecrow! Mr. Phillips, ask him about Tahir Javan. Why didn't you ask me? I know Tahir. I did his home theater. He lives in Chumash, right into the Western Highway. Well, that wasn't so tough, was it? Huh? Did you get that? Did you hear him? Lives in Chumash, the Western Highway. Ça sent la connerie. Chumash, you're driving. Remember, terror does not take coffee breaks. C'est lui qui m'a proposé de prendre un café. C'est un peu du foutage de gueule. Bon allez, monte là-dedans. Putain, mais à chaque fois les destinations elles sont espacées de 2 km sans déconner. Je pense que le braquage ce sera pour la prochaine fois les gens. À moins que on fasse durer un petit peu plus comme la dernière fois. Mais on verra. Pour l'instant, je pense que c'est mal parti pour le braquage. Right. And what about Trevor? What about it? I need some resolution, Davey. You let him walk. You said you'd clean the whole thing up back in North Yankton. And you told me it'd be a clean job. No casualties. There were more eyes on that town than there needed to be. Yeah, well, according to my eyes, Trevor's your problem, Dave, as much as he is mine. He's not a problem at all. We're monitoring him. Has he said anything about Brad? Fuck yeah, he has. Plenty. I keep changing the subject. You know, he thinks you might actually commute Brad's sentence when this is all over. That's good. Fine work. We'll send another letter. It's about time anyway. Oh. So that's you who's been sending those fucking letters to Trevor, huh? Yeah. He thinks they're from Brad.
who he thinks is locked up in high security and not, well, not 6 feet under in a grave marked Michael Townley. The trainees write them. It's a good exercise. Oh, fuck. How'd that get started? A few years ago, a letter came to the federal prison system addressed to Brad. Wasn't signed, but it gave a P.O. box in Sandy Shores. I played the part of Brad, and we started a correspondence. Yeah, thanks for telling me, Davey. I was doing you a favor. Didn't think you'd want to know he was in the same state. Yeah, so now what? I just sit back and hope he doesn't figure it out? It's worked so far. He's a time bomb, Dave, and you fucking know it. Ah, en fait, notre pote qui est censé être en prison est mort et enterré dans notre tombe. Je sens que ça va bien foutre le bordel. This'll do. Alright. Find out who we're looking for. Yeah, we need a description of the target. Yeah, I'll take care of it. Loosen him up. Oh no, no, please. I tell what? You what you loosen want him to up! Know. No, please. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser ce coup-ci? Je suggère les pinces électriques. I'm gonna level with you. This'll hurt. Not that! No, come on, please! Turn him off! You can't! Il n'est pas balancé de courant! Shit, please! Allez, tu vas avoir, oui! Tiens! Hey, now? Huh? Now? You ready to talk? I've been ready to talk since the day I got kidnapped 6 weeks That's ago. That's what we're afraid of. Now I'm even so, yeah, this guy we're after, what does he look like? Average build? Come on. Average height? Middle age? Yeah, it sounds like you're stalling. This better be enough. Middle age, middle height, middle build, whatever. He's dark, okay? He's Azerbaijani, for God's sakes. Look around. That enough for you? Genial. Ça va être facile de trouver. We're live. You see anyone down there who might be an Azerbaijani? Fuck do I know? You might be an Azerbaijani for all I know. What's one look like? They look Eastern. Half this town looks Eastern, Davey. You got the fall of the Shah and the collapse of communism to thank for that. Anyone stand out? No, they all kind of blend in. Make a call, Dave. We're gonna need some more info on this guy. They're having a party down there. J'avoue qu'ils se ressemblent beaucoup quand même. Allez. That ain't gonna cut it, my friend. Shit. I let me think. Sorry, too late. Trevor, show our contestant what he's won today. I remember. Allez. On va voir le monitoring. Oh, ça va. On va prendre la pince. Dentistry is an industry that hasn't advanced in the last 100 years. Still, on va lui arracher une dedans. Get ready. Il faut faire pivoter le joystick pour lui arracher sa dent. Allez. Allez, arrache-toi, saloperie, putain. J'y arrive pas, hein. Allez. Putain, elle est bien accrochée. Allez, putain. Je comprends rien à comment ça marche, ce truc. Pourtant, je bouge le bon joystick à peu près correctement. Mais ça n'a pas l'air de marcher beaucoup. J'aurais dû prendre le bidon d'essence. Allez, mais arrache-toi, saloperie, putain. Come on! Wait! Stop! Y a pas moyen de revenir en arrière? Merci! Eh merde, on est obligé de se faire là-dedans. Enfin, d'essayer. Allez. Ça fait des beaux bruits. Ah voilà, c'est bon. Oh, he was a tough SOB, that little guy. Shit.
That hurts so hard! Encore une? So what have you got for us? We need Trev to shake up your memory again? No, please. He's got beer. He's got beer. Uh-huh. No. I think you're making this up. No, I'm not. Huh? No. Yeah? I'm telling the truth. Bushy beard? Got any beardy types at this party? Huh? Oui, because on that's all Mr. Kate's given us. No. You know, I'm thinking maybe we ought to just take two bullets and put them in our informant and just call an airstrike on Chumash Beach. We're back in. Give me some eyes. Who am I looking for? Steve saying beard. What do you got? Anything specific, or is some stubble gonna cut it? Let's start at Mountain Men, and we'll work our way down until someone fits the profile. There's a few beards at this party. Vinewood's full of weak chins. Place is famous for it. Damn. Lui là-bas au fond avec la chemise rouge, ça passe aussi. Land of beach hipsters, we need more. Eux, ça va. It's gonna be a long day until you give us some intel on our target. He's got beer. He smokes like a fucking chimney. I don't know. Trev, maybe one more time? Just to be sure. No, please, no. I told you, he smokes. That's all I know. Eh ben, le bidon d'essence. C'est le seul truc qu'on n'a pas encore fait. It's legal, bro. Legal. I will drown. I will. Torture her. My mouth. I will drown. Say this. Allez, mon petit. I will drown. Il va falloir parler. Allez, tiens, mon petit. On va vérifier quand même. Ah, c'est de l'eau. Il y a marqué que c'est de l'eau. J'aurais pu au moins prendre de l'essence. Let me up. Today's lesson is about government regulation. Lesson? This is meaningless. Mr. K. Mr. K. I don't know anything, please. Okay. He chain smokes. And he's left-handed. What's that? He chain smokes. And he's left-handed. Okay. Any of these bearded guys at the party smoke cigarettes? Mr. K says he smokes like a pack of two a day. Redwood cigarettes? Thank you, Mr. K. Eh ben voilà. Steve's telling me he chain smokes Redwoods. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guys who put the warnings on the packets you should worry about. And he's left-handed. Oh, now I get it. You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair, a cigarette, and he's left-handed. I see someone. He fits the profile. Yep, fits it all the way. I got a good feeling. Well, as good as you can get while clipping a guy who probably don't deserve it. Now I'm taking a shot. Bon. Davey, I got someone. Definitely a lefty. Redwood smoking, bearded, maybe. Could be. Used to be. Azerbaijani. Good enough for me. Steve, it's done. Woo! That is a wrap, my friends. Excellent work to the pair of you. Now, I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up! That's a sport. Let's go, come on. Wait a second, Mr. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-Man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Let's go. Get up. Come on, up the fucking stairs. Oh, fuck's sakes. Come on. Let's go. All right. Now you got a flight to catch. Okay? Let's get you to the airport. Oh, safety first. Ça va, il y a deux fois où Trevor il sait faire quand même. Enfin, où il peut être un peu classe. Genre, il relâche le prisonnier, ça va. It hurts. Can you speak? Kinda. Are you gonna hold it together? I want to go home. I want to see my family.
No, you have no home. You have no family. That shit is over. I do. They're in the Morningwood. I love them very much. No, that's your old life. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Just take me home. I'm taking you to the airport. You're gonna get on a plane. You're flying a long way from this country, and you're gonna spread your message. I don't have a message. You're a torture advocate. Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We need it to get information, to assert ourselves. Did we get any information out of you? I would have told you everything. Exactly. Torture's for the torturer, or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times. We should all admit that. It's useless as a means of getting information. I'm feeling lightheaded. Sometimes you torture for the torturee, but only if they're prepared to pay. Departures. No one drives me to the airport. Allez, on balance ce connard dans un avion, et ça va être réglé. Run. You're free. Oh, what? But my family is here. Your family is probably the ones who got you fucking in here, all right? Now look, trust no one, all right? You're alone now. Really? Yeah, really. Now let's go. Fuck off. Come on. Et voilà, une affaire rondement menée une fois de plus. Nickel. Du coup, on va appeler un taxi. Allez, on va poser notre point ici pour que le taxi nous y emmène. Not a problem. Laisse tomber. Oh, qu'est-ce que tu fais, toi, putain? J'ai appelé un taxi, là. J'ai pas voulu me faire écraser. Allez, on monte dedans et on se casse. Hop, on passe le voyage. Ça va encore me coûter une centaine de dollars. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Allez, dépêche-toi. Attends. Non, pas à l'arrière. On va piquer le taxi, que tu dégages. Et donc il nous faut aller vers l'intérieur des terres. Donc vers la droite. Et le problème c'est ce tunnel à la con qui est pas permissible du tout. Mais bon, c'est le principe d'un tunnel aussi. Allez, on est presque sorti avec un peu de chance, on pourra foncer sur la droite. Plus ou moins. Hop. Ah ouais, c'est vrai. Ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Et il faut trouver l'entrée pour commencer. Ou un truc qui ressemble. Bah voilà, ça c'est fait. Hop, merci. C'est du foutage de gueule. Il faut aller piquer le cargo bob. Oh putain, sa maman. Je pense que ça va être galère sa mère. Oh, galère sa mère, c'est marrant. Hop. On va se casser de ce taxi à la con. On va se mettre en mode carnage. On va sortir du mode carnage. Maintenant qu'on a pris notre bastos. Hop, on se remet en mode carnage pour pas perdre notre restant de vie. Hop, on prend un AK-47. On explose un ou deux connards. Voilà, et on court. Hop, on se met à couvert derrière les gradins. Et on enlève notre truc. Histoire d'en conserver quand même un minimum. Allez, crève. Allez, cours. On y est presque. Hop. Allez. Putain, c'est mort. Non ! Bon, heureusement qu'on va pouvoir recommencer la mission.
c'est-à-dire au début de la base aérienne. Évidemment, ça va encore être la putain de merde. Mais forcément, on me demande de piquer de ces trucs, moi. Et surtout en taxi. Qu'est-ce que je veux que je foute avec un pauvre taxi tout pourri? Eh, mais je suis pas rentré par là tout à l'heure. Ça a l'air plus simple. Ou presque. Hop, bonjour. Ouhouhou, ça canarde. Bon, il est où le cargo Bob? C'est par là. Il est juste ici, c'est ça. Ouh, putain les bâtards. Tiens, toi tu crèves. Je vais essayer de faire un maximum de takedown en bagnole. Parce qu'on a bien vu que c'est quand même le moins risqué. Hop. Tiens, toi tu sors de là. Putain, j'aurais dû m'en douter ça. Hop. Nickel. On va monter dans l'hélico. Et on va se barrer. Tout simplement. Allez, dépêche. Ferme cette putain de porte, bordel de merde. Envole-toi, envole-toi, envole-toi. 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 Semer les hélicos militaires. Putain. Mais j'aurais dû me douter que ce serait un putain de bordel. Oh oh. Non, c'est bon. Ouhouhou, ça va être la merde. 4 étoiles. Ah, c'est mon record jusqu'à maintenant. Hop, pour l'instant, les hélicos militaires, je dirais qu'ils sont encore assez loin derrière. Et que ça devrait pas être trop trop dur de les semer. Allez. Est-ce qu'on a des missiles? J'ai pas l'impression. Non, ça c'est tourne à droite à gauche. Et il faut aller au hangar qui est par là-bas. On va éviter de se planter déjà. Ce sera pour notre bien. Hop, on remonte. How you doing, Trev? Fine. For a guy who just went into an airbase and stole a chopper, are we ready to go on this thing? If it's the heavy lift chopper, then yeah, I'll get everything ready and I'll call you. All right. Nickel. Donc je ramène cet hélico à la base. Et ensuite, on peut commencer la mission. Surtout que le chrono a pas encore sonné. Donc c'est une excuse de plus. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Et c'est où ce hangar à la con? C'est à l'autre bout de la piste là-bas. Putain, ça fait loin quand même. Allez, plus vite l'hélico. C'est vrai qu'il est moyennement maniable. Mais normalement, avec Michael, ça devrait passer vu que j'ai aussi pris des cours de pilotage. D'ailleurs, il en est où Trevor en pilotage? Il est même pas au maximum comparé à Michael qui, lui, en pilotage, est complètement maxé. Et Trevor, et Franklin en pilotage, il est pas bon du tout. Bon, donc, on va aller par là-bas. On va essayer d'atterrir à peu près correctement. Ah oui, il faut atterrir sur l'héliport là-bas. Ça devrait se faire sans trop de problèmes. Évidemment, il y a autre chose sur l'héliport. Ah non. Faut se garer où? Là. Ça me paraît pas mal. Et voilà, c'est qui le patron? Easy peasy. Hop. Et donc du coup, normalement, on débloque une nouvelle mission. Elle est où ma mission? Bon, on va déjà prendre ça. Et la mission se débloquera peut-être toute seule lors d'un coup de fil que Trevor passe à Michael ou je sais pas quoi. Parce que sinon, Steve, tu veux... je veux tous vous voir au terrain d'El Burrito Heights, soyez à l'heure. C'est qui Steve? Oh putain, non, c'est le mec du FIB. On va pas faire sa mission, sauf si on, vraiment on n'a pas le choix. Mais je préférerais quand même avoir la mission de braquage.
À moins qu'on soit obligé de passer par celle-là d'abord. Donc on va aller jusque là-bas. Et si d'ici là la mission de braquage se débloque, on prendra la mission de braquage. C'est dommage qu'on puisse pas savoir en temps réel où sont les persos sur la carte, les trois. Comme ça, on pourrait choisir en fonction de où est la mission, celui qui est le plus près. On va répondre à Wade. It looks like we're ready to go with everything. Floyd don't think it's a good idea for us to meet at the condo, so maybe we should... Tell Floyd it is a good idea to meet at the condo. It's a great idea. And tell him we need chips and dip and prostitutes. Et ben voilà, on va pouvoir aller faire cette mission. Le braquage... Non, ta gueule, le téléphone t'a pas sonné. On va aller faire le braquage, j'ai dit. Et on se laissera après. Et pour l'instant, on commence par le braquage et ensuite on verra. Hop. Allez. Putain, mais même en hélico, ça va pas vite. Enfin, ça va pas vite. Tout est relatif, mais... Ça va moyennement vite. Hop, on remonte pour passer au-dessus du building. Ouh, ça, c'est le building du FIB. Il est quand même putain de immense, hein. Ah non, c'est le Maze Bank. Pourtant, il ressemble beaucoup au building du FIB. Donc, l'appart de l'autre connard, il est où? Il est tout là-bas, il me semble. On va commencer à descendre. Hop. À la limite. On va se lâcher dans l'eau. Ah bah, il a un parachute, tiens. Et voilà, je vous l'avais dit. L'eau, ça fait des dégâts. Mais je pouvais pas deviner qu'il avait un parachute, moi, putain. C'est chier. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est qu'une perte minime de temps. Allez, allez, charge plus vite, bordel de merde. Allez. 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 Plus vite. Putain, en plus, il y a une Infernus, là. Ça nous permettra d'aller bien vite. Ah non, c'est pas une Infernus. Oh, ta mère. Prendre ça, hein, tant pis. Pas comme si on avait le choix. Casse-toi, toi. Toi, pareil. Et on va aller à la porte de l'autre tâche. Ah. Non, d'abord... On va buter un enculé. On va prendre le sniper. Voilà, tiens. Comment ça se fait que t'es pas mort, toi? Il y a la tache de sang sur ton pare-brise. Oh oh. Ça, en général, c'est pas bon. Cassos. Putain, c'est le réservoir qui a pris feu, bordel de merde. Wouh. Ça, c'est de l'explosion. Allez, Cassos. On va aller direct à l'appart. Et on va lancer cette mission à la con. Tu dégages. Là, on va passer tranquille, pépère. Hop là. Wouhou. PGM style, on est presque. Là, on peut passer ici. Là, pareil. Ça passe crème. Et évidemment, il y en a un qui fait chier sur la fin du trajet. Casse-toi. Hop, désolé. Désolé vous deux. Mais je devais me garer quelque part. Et là, on monte vite fait à l'appart. Et on va pouvoir commencer cette foutue mission. Wait, Floyd! One of you shits must be here. Hello, Trevor. I missed you. Hello, Wade. I missed you too. Hello, Trevor. Oh, there. Hey, Hot Lips. Where you been hiding? No, 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 nowhere. I got a knot the size of a baseball in here, all right? Needs a little, loosening up, all right? Oh. Massage me, motherfucker! Good, good. Ah. Ah. Trevor's hard at work, huh? Where's the surrogate child? Who? The boy! The stars in his eyes. Not like that.
What's not like that? Oh, hey. Hey there. You and him, the old father-son issues? Gives me the fucking creeps. How's the leg rub? Oh, it's excellent. You want to go? No, I'm good, though. Hey, I called you boys here to discuss this job that I've been planning. The fuck are you talking about? Shut the fuck up, Michael, all right? You owe me. Hey, did you talk to Lester? I called him. He's in the hospital or something, all right? We keep him out, and we get 20%. Well, unless, of course, you go states again and have me arrested. Hey, it wasn't like that. You better not have been. I mean, like, you give a fuck. Oh, see, I give a fuck, Michael. It's a position, a fucking viewpoint, all right? Like God, like evolution, like anything else. Sunshine, boredom, lies, that's what we got. Other people, they have other worlds. But for me, I'm like a vulture just circling the desert looking for fucking corpses, you know? A carrion-eating motherfucker. Do you understand that? Wow. Woo! Bravo, you fucking idiot. Man, I still don't get the score. What's the fucking plan? We got Floyd, all right? Now, Floyd's got, not the fuck, get out of here, all right? Now, Floyd here works at the port. He puts me onto Meriwether Security, who were running some tests out at sea for Uncle Sam. We're gonna take whatever it is they're testing. Now, got a couple buyers lined up, I guarantee, no problems, no major heat. Let's get going, all right? Let's take a slightly past dead vibe to an airfield where I got a sub. Got a chopper, I got everything we need. All right, let's do this, you fucks. Ça sent la connerie. Sandy Shores Airfield, if you please. Sandy Shores. Tu te fiches de ma gueule. Putain, mais c'est Acha, ils sont déconnés. Bon, et ben on est parti pour un petit trajet, les gens. Sandy Shores. That's quite a distance. Ah, merci, Michael. What's with this guy? Man, I didn't realize we was going all the way out there either. I've been told your generation are work shy, repeatedly. But this is the first time I've seen it for myself. You won't leave the city for the biggest take of your life? Man, it's not like that. Well, what is it like, huh? You think the world owes you a living? You want money and respect, but you won't cross the street to get it. That useless millennial shit is more of a middle-class thing. Where I'm from, hustling is still hustling. And going halfway across the state is still, going halfway across the state. Yeah, well, Sandy Shores is the global headquarters for TP Inc., okay? So we gotta make the trip. TP Inc.? Trevor Phillips Industries. My company. Industries or Incorporated? If it's TP Inc., it'd be Trevor Phillips Incorporated. Just saying. You're mocking me! Nice! Is it so strange that I've made... Concentrate, eh? Is it so strange that I've made a success of my life? I know that wasn't what you wanted for me when you ran off, but still. Trevor! It's a business, Michael. An honest American business, and there aren't many of them left. Hey, you know this airstrip we're going to? We're managing it. Yeah, I hate to think what you did to the last managers. The lost MC LLP experienced an unexpected downturn. We had to step in. The Lost Motorcycle Club. Yeah, you're a serious businessman, T. I cannot believe this. The hard-working entrepreneur is getting shit from a guy so lazy he retired in his 30s. And then from this other guy whose sense of entitlement is so strong, he asks how far we had to travel when he's offered a job he ain't even qualified to do. This is why the country is screwed. There's not enough me's, there's too many you's. Yeah, a country full of you's. That's just what this world needs. Shit would get done. It would be Darwinian. Hey, look, dude, we're helping you out. But if you think you'd be better off on your own... No, hey, look, hey! God, just let's calm down, all right? We have a score to take. There is profit to be made. I mean, don't that beat getting picked up by G-Men and forced to work for free? Yeah, all right. Talk us through exactly what's going on. We're going out to Sandy Shores. I know that part.
My guys will meet us there. They'll have the submarine. I'm gonna get into said submarine then. Wait, hold on. You had the flying lessons, right? Hey, I came prepared. I didn't know what I was preparing for, but I'm feeling pretty confident in the air. Good, 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 good. Hey, what's the next part of the plane? There's an army chopper at the airfield. You're both getting into it. Michael's flying. He's gonna take off, pick up the submarine with me in it, and flying out to a point off the coast. You're gonna drop me into the ocean. I'll pilot the sub down to find the device the government's been testing. I'll get it, surface, you'll fly me back to the airfield. What kind of device? What kind doesn't matter. How much will be paid for it does matter. These are government scientists we're robbing. I said at the condo. The tests are being run by Meriwether Security Consulting. Ah, yes, the mercenaries. Fresh from fighting our secret oil wars. Should be very relaxing. If stealing a prototype like this from the government was relaxing, then everyone would be doing it. As it stands, we've got an opportunity to mint some serious coin. Oh, whoa, 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 whoa. There's easier ways. And this sounds extreme, T. This is our airfield. How about it? Hey! Hey! Here's the sub! Floyd, wait! Wait in the hangar! This is our chopper, I guess. Allez. Ça va être le bordel. Dépêche-toi de monter dedans. J'ai pas que ça à foutre de ma journée. Positionner le cargo boat de manière à ce que le grappin puisse toucher la partie supérieure. Putain, ça va être le nawak. Ouais. Et ben ça va être n'importe quoi parce que je l'ai pas accroché bien au... Si, ça s'est accroché bien au milieu au final. Mais au début c'était pas accroché bien au milieu et là ça va être n'importe quoi. I got it from the military base. And there's all this military hardware in the back. Guns and whatnot. Mm-hmm. This thing gets hot. They'll come in handy. Hey, I thought it wasn't getting hot. You said no major heat. That you guaranteed it. It's a score, Michael. Even if you don't anticipate heat, you prepare for it. That's the code. That's why I don't take scores. Not anymore. I'm out of the game, man. What am I doing? Oh, really? You don't take scores? No, not anymore. What say you, Franklin? I say this is a conversation between you two. So, that wasn't you guys then at the Rockford Hills jewel store? Hey, that's right around the corner from my house, T. I might have been there buying something for Amanda. I certainly wasn't robbing it. Oh, okay, oh, my mistake, my mistake. It was a pretty tight job, though, eh? I mean, the planning was there, they went in, right? They got out clean. I mean, there were some problems, but they kept their heads, right? Yeah, pulled it off. All right, it was us. Of course it was us. Any other clowns would be in Bolingbrook now. Nah, there were some weak points. I mean, whoever fed that cheesy line to the parking guy... That guy? Amateur! Yeah, show us how it's done then, T. If you're such a professional. I don't know. Flying along the coast. This whole thing ain't got nothing to do with our thing. Et c'est parti, mon coco! Utilisez l'application Trackify pour localiser l'appareil. Sans déconner. The app is live. I'm reading the signal. Hop. Eh ben, je peux conduire peut-être. Donc, c'est sur ma gauche. C'est par là, en gros. On s'en approche. Allez, et c'est tout droit. Allez, remonte un petit peu. Alors, en fait, on a été largué assez loin du point quand même. There. Allez. I'm staring into the abyss, and I like it, Michael.
nickel pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes. Bon, évidemment que ce truc est loin, donc ça c'est un problème parce que ça casse les couilles. Mais on devrait pas avoir de problème à le trouver. Ça se rapproche. Enfin, ça se rapproche. Ça se rapproche pas très vite en tout cas. Et j'y vois pas grand chose. Allez, sans déconner, plus vite. On dirait que j'avance même plus. Je m'enfonce un petit peu dans l'eau, hein, mais c'est pour voir ce qu'il y a. Ah, attendez. How deep are you, T? Can that thing handle a little pressure? It's safer at the bottom of the ocean than it is strapped to the helicopter. J'ai manqué. Hop. Il est un petit peu en dessous de moi en fait. Donc on va continuer de descendre et ça doit être vraiment tout au fond. À moins que ce soit un truc en mouvement. C'est ça, je pense. Hop, on va descendre, on fait demi-tour. Here it is. It's been secured to the seabed. I'll see if I can pry it loose. Hop, amener le submersible vers l'appareil pour le prendre. Comment je fais pour descendre? C'est A, ah, c'est ça, c'est ça. Hop. Voilà. On va remonter en surface. Le plus vite possible. Hey man, so got the thing. What is it? Allez. We'll know what it is when we can run some tests. Well, what it look like? C'est pas cool ça. What you think it is? Best guess it was hooked into the rock, maybe on a fault line, so could be a seismic suppressor to combat earthquakes and tsunamis. Or no, potentially it's like a fusion reactor running on seawater. Like nuclear? Yeah, the good kind of nuclear. And is this what your buyer was after? Yeah, well for sure. No, we'll be paid, Frankie. We will be well paid. Ah, on voit la surface, enfin. Là, à mon avis, on va retrouver les commandes de Michael pour reprendre le sous-marin. Qu'est-ce que j'avais dit? Il est où ce con? Ah bah, il est juste là, en fait. Ouais, bah, je fais tout mon possible, déjà, pour pas couler l'hélico. Je vais venir te chercher si j'y arrive. Hop. Oh non, c'est passé au-dessus. Vite, 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 remonte, remonte. Remonte, 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 remonte. Remonte, 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 remonte. Remonte, on y est presque. Allez, sans déconner. C'est vraiment du foutage de gueule, ce grappin là. Bon, allez, allez, on va y arriver. Hop, on va passer discretos au-dessus. Enfin, discretos. Doucement. C'était limite, mais ça passe. Et à mon avis, sur le retour, on va se remmerder par des avions de chasse dont Franklin parlait tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'avais dit? Non, non, ça va, c'est des bateaux. Bon, c'est que des bateaux. Hop, allez, bute-les. Et de 1, et de 2, allez, 2, j'ai dit, voilà, 2. Suivant peut-être. Non. Voilà. Hop, évidemment, on nous attaque partout. C'est bon, j'ai le chauffeur, ça suffit. Ouh, boum. Il est tombé comme une masse. Ah, je peux pas le choper lui derrière. Lui, je peux pas le choper. Il a passé de ce côté-là, donc ça va faciliter la tâche. Je vois pas le viseur, c'est chiant. Souvent, on le perd de vue. Hop. On va changer. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Je peux changer de côté. Toi, tu vas crever. Pilote, le pilote, le pilote, le pilote. Le reste, je m'en fous, le pilote. Putain, ouais, ouais, ça marche aussi. Hop. Et voilà. Bonne nuit.
Ok. Ah, on est à l'arrière, ok. Hop. Allez, le chauffeur. C'est bon. Easy peasy. Hop, chauffeur, chauffeur, chauffeur. C'est bon. Bonne nuit. Et voilà. On va reprendre Michael. Et direction l'aérodrome. Allez, plus vite. Putain, on fume pas mal quand même. On a dû prendre de sacrés dégâts. J'espère qu'on arrivera à s'en tirer. D'où il sort cet avion là con? J'avais envie de lui filer un coup de sous-marin, mais je préfère éviter. Si le sous-marin se décroche, c'est pas forcément une bonne idée. Normalement, on devrait plus trop avoir de problèmes. Il faut juste que je sache à peu près où atterrir. Ah bah c'est là. Putain, il me demande de ces trucs. Survoler la piste d'atterrissage à basse altitude et larguer le submersible. Hop. On va essayer. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Hop, hop. Nickel. Voilà. Et voilà. Le travail est vite fait, bien fait. The wire is going fucking crazy. Oh, and good to see you too. What's it been? Huh, 10 years? After this, the government won't care how long it's been. They're gonna put you and everyone you ever knew on their kill list. And you! I thought you would be smarter than this. What'd I do? Stealing a super weapon to sell to the Chinese! Damn, T. This some nuke or some shit? I thought you said you spoke to him. Yeah, I did! Okay? Kind of. I mean, he was all woozy and shit. It doesn't matter, alright? It's done. We've got it. Well, we could put it back. You drop it in the sea by the time they get a salvage operation together. No! Oh, so you want a drone circling your trailer? We'll get you another score, Trevor. You owe me! Wait, get in that chopper! Listen to whatever this fucking moron has to say. Okay! Alright, and on that note, I'm out of here. You won't be seeing me back here in a long time. Hey! We need a score! Remember! Man, I thought I was done not getting paid for these licks. Hello? Me too! Je crois que notre ami a besoin d'aller dans un hôpital psychiatrique. Et du coup, on a gagné que Pouy qui fait chier. Parce que la vente a été annulée. Fait chier. Et merde. Et bah voilà, on l'a un petit peu dans le cul du coup. Mais bon. Pas grave, hein. De toute façon, fallait le faire quand même. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. Ça me ferait très très plaisir. Et donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous très très bien. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite. Et c'est à peu près tout. Allez, ciao !